Salam alaikum, bienvenue chez Recette Maroc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette délicieuse d'amelou. C'est une pâte à tartiner à base d'amandes et d'huile d'argan qui est crémeux et très nourrissant. On peut le déguster pour le petit déjeuner ou le goûter avec du pain, des crêpes, des raïfs, meloui, etc. Bismillah. Déposez les amandes sur une plaque de cuisson en une seule couche et faites griller au four jusqu'à ce qu'elles commencent à changer de couleur. Vous pouvez soit le faire au four, sinon dans une poêle tout en remuant régulièrement. Ensuite, faites moudre les amandes en une poudre très fine, sans grumeaux, et versez dans un grand saladier. Versez environ 2 bols de poudre d'amande dans le mélangeur. Ajoutez une petite quantité de sucre, une pincée de cumin et une pincée de sel. Versez ensuite une partie d'huile d'argan alimentaire par-dessus et mixez le tout pendant environ 30 secondes. Raclez les bords du mélangeur si vous remarquez que les amandes restent collées aux parois. Ceci permettra d'avoir un mélange homogène et lisse. Répétez ces étapes jusqu'à ce que les amandes et l'huile ont été épuisées tout en ajoutant le restant de sucre. À la fin, remuez le tout. Le mélange sera lisse et ni trop épais ni trop liquide. Vous pouvez conserver l'amelou dans un contenant hermétique à la température de la pièce. Par contre, avant de le servir, il faudra le remuer. C'est la recette traditionnelle d'amelou. Si vous n'avez pas d'amande ou bien vous êtes allergique, vous pouvez utiliser des cacahuètes tout en respectant les mêmes étapes. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de partager avec vos amis, ainsi que de vous abonner à la chaîne pour en rester informé de toutes nouvelles publications. Je vous souhaite bon appétit et à très bientôt, Charles.